L'événement chasse aux cerisiers vient de se terminer. Donc, dans celui-ci, je dispose de 43 400 fleurs de cerisier. Je veux avoir lisé, pour lesquelles il me faut 55 000 fleurs de cerisier. Donc, il m'en manque environ 12 000 pour avoir lisé ce magnifique cuirassé porte-avions. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir des caisses, les caisses chasse aux cerisiers, dans lesquelles il y a donc des fleurs de cerisier. On peut en avoir de 200 à 20 000. Donc, je vais acheter 10 caisses là, bien que la remise soit de 10%, donc pas très intéressante, mais quand même, je vais prendre 10 caisses. Alors, la première. Ah non, ça vous les 10 d'un coup. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai pas ce qu'il me faut là, j'ai pas le compte. Donc, je recommence. C'est reparti pour 10 caisses. Donc, je dois pas voir le compte là. On va vérifier combien il nous en manque. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le compte. Ah si, il y a le compte, 57K. C'est tout bon, alors je l'ai. Voilà, ok. Le voici, il est dans mon port. Donc c'est un premium cuirassé japonais tier 7. Donc voyons ça. Donc dans l'armurerie, bon, il est évidemment complètement équipé. Coque, canon, bombardier en piqué, conduite de tir et défense antiaérienne, il y a tout. Alors, là, comme c'est un bateau un peu spécial, je vais maximiser sa caractéristique porte-avions en prenant le bonus d'élite bombardier en piqué avancé. Donc je prends ça. Ok. Confirmé. Voilà. Alors, aurait-il un camouflage historique? Oui. Donc, il donne 20% d'XP et 20% d'argent. C'est classique. Ah, par contre, on gagne que sur les caractéristiques de cuirassé. Point de structure du navire, portée des canons principaux, dispersion et réduction des dégâts de torpille. Il n'y a aucun avantage sur les avions. Bon. Je vais l'acheter quand même. Voilà. C'est un premium, donc je dois pouvoir récupérer un commandant d'un autre bateau. Oui, j'avais mis sur le Mikasa mon commandant, donc je le mets là. Voilà. Les consommables se sont mis tout seuls. Les provisions, alors je vais lui mettre des provisions bateau. Point de structure des bombardiers en piqué, de toute façon il n'a pas autre chose. La vitesse des avions. Alors est-ce que je renforce l'anti-aérien? Sinon qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va mettre de l'anti-aérien. Je ne sais pas ce qu'il a comme car. Combien il a en 4018 en armement anti-aérien. Ah oui, il est bon en anti-air. Donc je vais le mettre.
c'est bon, là. J'ai les trois. J'ai les trois, c'est bon. Alors, les équipements. Les équipements. Donc là, bah là, il n'y a rien de rien sur les avions. Porter les canons secondaires, non. On va garder la vitesse de rotation des canons principaux, ce que je mets d'habitude sur un cuirassé ou un croiseur. Là, il n'y a rien de spécifique non plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Petit calibre antiaérien, non, c'est pas intéressant. Temps de réparation, non. Risque d'incendie du pont, non. Résistance au feu aux inondations. Et là. Porter les canons, vitesse maximale, détection, accélération de la rotation, réduction des dégâts de torpille, allez on va mettre ça. Le reste classique et les amplis, un ampli de commandant et puis un que j'ai en stock là en grand nombre, celui-là par exemple, clac. Voilà, il est entièrement équipé, donc si on regarde ses caractéristiques, construction 1917, donc c'est un vieux bateau pour la Deuxième Guerre mondiale, 45 687 points de structure, 24-45 nœuds, alors il a des canons de 356 mm. Alors, si on regarde dans l'arbre technologique japonais, un cuirassé qui est équipé comme ça. Le Nagato, il a des canons plus gros. Oui, des 410. Donc, en fait, c'est les canons du fuseau qu'il a. Voilà. 356 mm. Rechargement 21 secondes. Portée 11,52. Attention, 13,75. Ouais, donc c'est les canons du fuseau qu'il a. Et dégâts, 1012, 1438. ...1250, d'accord, il y a des canons un peu meilleurs que ceux du fuseau. Donc en fait, c'est une évolution du fuseau au tiers supérieur. Alors si on s'intéresse à ces avions, alors il y a un groupe aérien qui fait 1365. Il a 15 bombardiers en piqué, il a 2 escadrons de 3, de FA-3-6. Donc il en a 9 en réserve. Alors si on compare un porte-avions japonais de même rang, donc on a vu qu'il avait groupe aérien 1365. Alors, un japonais, c'est le Iryu. Groupe aérien, 3396. Oui, d'accord. Donc, il fait en grosso modo la moitié la puissance d'un porte-avions de même rang. Et là, c'est pareil. Il a 2 escadrons de 3, donc c'est pareil. Il en a 21, donc c'est un peu plus. Et si on regarde, point de structure 1460 et 1100 de le dégâts des bombes. Et là, point de structure des bombardiers 1656, 1287. Donc il fait plus de dégâts qu'un porte-avions de même rang. Et il a ses bombardiers en plus de points de structure. Alors c'est peut-être parce que je l'ai équipé. Et la seule différence, c'est qu'il n'a que 15 bombardiers au total au lieu de 21 sur l'autre. Bon, sinon le reste, ok, c'est classique. Donc
Si on fait le tour du propriétaire, alors à l'avant, on a la partie cuirassée. Donc 6 tourelles, donc ce qui fait quasiment un vrai cuirassé. Un vrai cuirassé, je pense qu'il en aurait 8, enfin je pense pas, j'en suis sûr. Il en aurait 8. Donc c'est pas une perte immense. Et à l'arrière, on voit les avions, qui sont d'ailleurs des hydravions. On voit bien les flotteurs. Donc ils sont lancés par des catapultes là sur le pont. Et je pense qu'en réalité, d'après ce que j'ai lu, en fait, ils sont récupérés grâce à la grue qui est sur le côté, là, qui doit permettre de les remonter sur le pont et de les remettre en service. Alors, on ne voit pas très bien, là, mais apparemment, il y a un hangar sous le pont d'envol. Ce qui permet de stocker tous les avions. Alors on voit des canons de défense anti-aérienne. Là, là aussi. Ouais, en fait, il y en a tout le tour. Donc c'est un bateau composite, bon, qui doit pas être évident à jouer. Donc, bon, on va essayer tout de suite. On va l'emmener en bataille en solo. Alors, ah ben, j'ai un porte-avions avec nous, tiens, ça va être amusant là. Alors, tire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en face, 1, 2. En plus, on a la supériorité en tire 7. Ils ont qu'un seul destroyer apparemment. Je vais m'avancer, je vais me cacher derrière la flotte, ami. Bon, j'espère qu'elle aura la bonne idée de défendre. Défendez notre base. Et maintenant, je vais envoyer mes deux groupes de bombardiers en reconnaissance. Escadron de bombardiers en vol. Il y a un autre par là, tiens. Ok. Avion ennemi en approche. Avion ennemi en approche. Lancez l'attaque. Cible repérée. Alors, où est-ce que je suis? Là, il faut pas que je perde le nord quand même. Où est-ce qu'il était le Bayern? Ah non, c'est le nôtre. Ah le voilà. Je l'ai tiré sur mes propres avions. Le voilà. Toc. Escadron de bombardiers, déploiement. Escadron de bombardiers, décollé. Bon, ils sont partis mes bombardiers, donc je vais revenir. Je vais l'attaquer au canon en même temps. Toucher l'ennemi. Je vais gaspiller ma première bordée. Joli tir. Alors, je vais ralentir. Alors, où ils en sont mes avions là? Prêt. Allez, va finir le Bayern, toi. Toc. De bombardier, déploiement. Et l'autre, je vais l'envoyer. Ouais.
Et voilà, j'ai coulé un bateau. Escadron de bombardiers, décollé. Alors, hop. Attaquez le site. Beau travail. Il y a des lags dans le jeu. Tir de précision. Alors, hop, avion, le Nagato. Escadron de bombardiers en vol. C'est parti. Nous sommes attaqués. Le deuxième. Escadron de bombardiers décollé. Toc, je quitte. Attaquez la cible. Je commence à être mal en point là. Alors, avions, êtes-vous prêts les avions? Escadron de bombardiers en vol. Nous sommes touchés. Ah, je t'ai coulé. Lancez l'attaque. Bon, j'ai eu un peu de mal à coordonner quand même les deux, hein, parce que quand on s'occupe de l'un, on s'occupe pas de l'autre. Là, il a mal tiré ses torpilles. On va survivre. On est mis en train de gagner. Oui, l'ennemi va gagner. Alors, on a un marron, qu'est-ce qu'il pourrait faire quelque chose? Apparemment, il fait des ronds dans l'eau, là. Miru, là, pour moi, qui est vide, on peut tenir un certain temps. Je ne sais pas si on va réussir à leur coller quelque chose. Là. On va faire. L'équipe adverse est sur le point de gagner. On a perdu. Ah bah j'ai fait étoile de bataille. Étoile de bataille, quand on perd, donc ça veut dire qu'on était dans des équipes qui n'étaient pas très bonnes. Alors j'ai fait 15 impacts de bombes, 40 coups de canon, un avion détruit, un bateau détruit, 3 incendies et 3 modules. Alors, j'ai fait 38 000 de dégâts avec les canons, 11 000 avec les bombes, 11 500, et il y a eu 9 000 de dégâts d'incendie, probablement à cause des bombes. Ok, alors si on regarde les scores... Alors, j'ai fait 58 000. Et en face, ils ont un Nagato qui a fait 80 000, hein, donc il a... C'est lui qui a gagné la partie. Bon. Notre Iryu a fait 38 000. Le Ranger a fait 24 000. Ok. Bon. Alors, première impression. Évidemment, quand on jongle entre les avions et les bateaux, on s'occupe d'une arme. Par exemple, les avions, on ne s'occupe pas de l'artillerie et vice-versa. En plus, pendant ce temps-là, qu'on pilote les avions, le bateau continue sur sa lancée et peut se mettre dans une situation difficile. Ceci dit, c'est un,
C'est un bateau qui doit être intéressant à jouer, hein. Son côté cuirassé n'est pas mauvais du tout. Ces avions, comme on l'a vu, sont puissants, hein, plus puissants que les bombardiers en piqué d'un porte-avions japonais équivalent. Donc, bah, je ne regrette pas de l'avoir acheté. À bientôt pour d'autres batailles.